ازول في الاول مرحبا يسوان. اذا كنت نهضر في الماتشوز كام بريسيزيامون في لا ليست لي جوار كونفوكي الماتشوز كام ندير لانت دي سوربريز ماشي كانت دي سوربريز دي سوربريز مقارن مليح مليح النهضر في ليكيب انغليزان بيسك سي ماتش امبورطون مليح مليح اي لا جياسكا et l'importance à ce les 3 points que je pense il y a pas de c'est vrai que le darwa des anticalaires là comme le match ni je le gomme le عيد le match qui dire réaliser c'est les matchs en des mardi de la trappe de mani en attendant bien sûr les grands rendez-vous qui arrivent bzaf donc c'est une équipe malade mليح mليح l'équipe qui réaliser même si on va aider là fait là on va aider là un petit peu des points ou c'est ou gagne à 20 après. Et d'un autre point de vue, Diantic, évidemment, il a quand même lancé, la liste des avis de recherche. Intsaradjou Rachid, Intsaradjou Vanen. Et Guinée, c'est comme d'habitude, ou tout ça, c'est like, m'abonner à la chaîne. Malakanan Vdo, Adnadraf, l'équipe en réalisant. Même si Okvelan Vdo, il a donné un web, la JSK, la direction, la JSK. Et la communication est félicité Mdouar pour le nouveau monde d'année. Et dans les gens qui ont été en train de faire, ils ont été en train de faire des postines. Ils ont été en train de faire des postines. Donc, on remercie Winara Yarzan, on remercie Winara Houdan, on remercie Winara Sabotin, on remercie Winara. Unique vanne à ressortir. C'est tout à fait logique. J'ai dit Hadja Issouhaman. La personne qui est derrière tout le sabotage, derrière le report des matchs, la programmation catastrophique, c'est l'une des personnes qui a appliqué le championnat à 20 clubs. Alors que c'est une période d'entraînement les équipes, le Covid, les problèmes financiers, Glenner, tout ça, il y a 20 clubs, il y a 16 clubs. Et nous connaissons l'avenir du football, nous connaissons un et après, à la fin, qui va rendre des comptes, on sera là, mais il y aura sûrement quelqu'un qui va rendre des comptes, et peut-être que ce sera lui. Parce que Mdouar, ce n'est pas le premier responsable, c'est un responsable de la Ligue. Mais ce n'est pas le seul responsable de la défaillance dans le football, non. Mais c'est quand même l'un des responsables, puisque le président de la Ligue d'Intact a pris des décisions, et surtout des décisions de programmation, des décisions de système de compétition. D'Intact et de M'Zouaro, et le responsable de M'Zouaro, et je vais aller gagner. Maintenant, on va voir l'équipe en réalisant. L'équipe en réalisant, il va être flèche, il va être flèche, c'est un point. Là, j'ai 4, c'est 7 points. Une seule victoire avec 4 matchs nuls. L'équipe en réalisant a une victoire et 3 matchs nuls. L'équipe en réalisant a un véritable problème. C'est que c'est une équipe à l'extérieur. Si elle a les mauvais résultats, elle a beaucoup de mauvais résultats à l'extérieur. Mais il y a des matchs. Entre le match nier 6-0 contre l'équipe en Sauron, dans le match qui est 26 juniors. Le 20 la réserve. Donc il y a eu un problème. Ça a eu des problèmes économiques de l'adjuv. Ça n'a même pas amnou ta amnou kni, on est dans la même situation que l'équipe ngilizan, il a qala sa ngilizan zama tidna drad ni ngilizan ni zik nsa la marge fla sene twardi l'indice l'indice a une petite marge, tout on est dans le même secteur, les mêmes difficultés économiquement et on est dans les mêmes difficultés même les points même les résultats parce que qala va fla sene un point, c'est tout. Donc il faut impérativement gagner le match à gagner. Après, on a dit la compo, c'est une équipe qui se lève en 4-1-4-1, en 4-5-1. C'est une équipe qui se lève dans les espaces, qui se lève dans la défense, en bloc bas, comme toutes les équipes. Même si le Romelaïd se lève la semaine dernière, même l'équipe en Saoura, toutes les équipes en championnat de Zaire, ils se lèvent. Toujours là, jusqu'à ça, beaucoup de difficultés. Et puis, le match de l'Arva, il marquait Doumbia, c'est un défenseur. Le match de Ngaro, c'est un autre défenseur. Il marquait un talent. Donc, c'est une marge offensive, même si il avait un bloc bas. Mais on a vu l'équipe qui est en difficulté administrative, même au poste de l'entraîneur, parce que Lemine Bourara est l'entraîneur depuis le début de la saison en Guinée. Elle a mis le dernier match qui a été nul contre le Choulroum Laïd. Il quittait le poste tennis, il est démissionné, il s'est retiré de l'équipe.
le soutien total que ça a mis pour Rara, là que les supporters n'ont et ils remercient, et ils soutiennent, ils demandent même du Real, mais où est du Real? Ce que les clubs, les problèmes dans le club ne seront pas réglés. Donc, Clark est dans la même situation, nous a des problèmes économiques, des problèmes dans le jeu, des problèmes administratifs. Donc, ça serait un match à ne pas perdre la GSK, parce que même si tu me chèvres les problèmes, mais le match est tout là, c'est-à-dire l'objectif fixe c'est de remporter les 3 points qui génèrent l'espérance de Chouya, à te faire la zone à Guinée, à te faire de Chouya, et à te faire de la zone, la zone, le tableau, pour espérer à te faire de Chouya, même si Fsaoun, tu vas avoir mdih, Fsaoun, des équipes comme CRB, comme Steve, comme Sawara, comme même le CSC, même l'MCO, c'est des équipes qui sont loin, et même une équipe comme le Mouloudia, l'Indi, ils sont à la marge de la ville classement, ils sont à la marge de la semaine de la contre S. Nous allons Mouloudia Steif. Quand même, maintenant, on va faire Mouloudia, ça serait le contraire de la GSK. Il dit, Nassili, il dit, le Mouloudia, il y a une tour à la GSK. La GSK, il y a une guimérie, il y a une Mouloudia. Il y a les rôles dans la gestion et dans fonctionner les clubs. Donc maintenant, on va faire les zènes, c'est un match à ne pas perdre, un match où tu sais avoir le droit à l'erreur. Il est à point qu'ment gore et qui c'est je sais que c'est le plus important, mais c'est nerf de dargalan que flamanière qui a ربحنا flamanière qui a dawl les 3 points ou de car le mana que le mohim ou les 3 points mou de bouda les 3 points خسر 6 points parce que le match n'est le gom l'aid ned مو تربح طري لا قرأ مو تربح هذا ماشين وش الماتشات تربح إمام الماتش كين غير لزين إنزين ماسن لسق ثقيني بس كي يستاديك نوز من بريود أنت تحوج لي بوان دونك سي خسر في هذا الماتش نادان أتكمل تو سيرف سور لافاكا كيني أي كيني ذا نيفال أنا بري ماد نهضر أفلا ليستن لي كونفوكي ذا كيني يا فيريتابل بوان دانتيروغاسيون مقر مليح دون لي كارت لي كاريس خذ من ابن عبدي بنا بدينا هضرت فلاسف لاصورتي ميديا تكني ناس يمكن اني غثيت ذاك اش حلو يا كيني اي البضر غورس ميدني بلي ان سيرتان مومون لي جون يا كيني كي اون كريتيكي بنا بدي ميك دوموندي الحقيس اسكسن مازمان اسكسن دي ليكيب مازمان اسكسن اي با ساكيني بنا بدي ام الماتش نادان ويلا راه دي ليكيب بريمير يوف دارا اي الماتش كيني يتلعب راه complètement, donc il n'y a même pas des remplaçants, il n'est même pas de la liste Aziz Ben Abdi qui est le joueur le plus important de faire battre la GSK. C'est pour ça qu'il y a une note de Akamir Machagini, je pense que c'est à 2-3%, tu t'en passes de Ben Abdi parce que c'est un match, c'est une équipe malade, mais c'est un joueur net, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Mais la gestion c'est une honte pour un joueur de Moudon, pour un joueur de demander la caisse, tu le mets à l'écart. Après, je ne peux pas rentrer dans le choix de la Guinée, dans le bouet, dans le bouillard, qui fait la liste de Guinée, est-ce que c'est l'entraîneur? Tu vois, n'importe quel entraîneur, ou tu vois, un entraîneur qui est Ben Abderrif. Un joueur qui est sélectionné l'équipe nationale, il est pris, Bougaré, il va faire la signe, c'est un joueur qui est indispensable. Tu vois, un technicien, il peut se priver de Ben Abdi. Donc, qui fait la liste, qui l'a fait pas, que tu m'as réchoué la game, qui n'est que des deux choses et qui se confirme toujours. C'est, est-ce que dans un mois, est-ce que dans deux mois, on va pas payer cash et oui comme un joueur Guinée, ils vont pas le payer cash sur le terrain parce que un joueur en Guinée ils meurent que ça arrive, tu ne peux pas parce que ça arrive avec des gels vides ou ils meurent là tu complètes, tu ne peux pas. Donc le temps Ben Abdi c'est un joueur qui s'entraîne, c'est un joueur le plus professionnel. Il gagne des matchs, des championnats de Zaïre, c'est Ben Abdi, c'est un joueur très professionnel au maximum. Dans les entraînements, sur le terrain, dans le comportement en dehors du terrain, dans la conférence de presse,
partout c'est un professionnel. Donc, c'est avec qui il a joué, avec qui il a entraîné, avec qui il a travaillé. Et après, vraiment que c'est un abdi, même vraiment que c'est un bon sérieux, mais c'est un bon sérieux. Mais après, les résultats, est-ce qu'ils te vont à te garder et la finalité des choses. Et à la fin, qu'on est déjà donné. Parce que c'est vraiment ça a des points d'interrogation. Il a quand posé F sur la Guinée. Quand posé F sur la Guinée, pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est un. Quand on écoute un rara, ou un rara, selon l'entraîneur, il dit une sorte pour. Parce que Ben Abdel Aïf a le match Nadel. Il lève la mi-temps, dans la deuxième mi-temps. Voilà, physiquement, Ben Abdi, il est plus frais que tous les joueurs. Physiquement, c'est le joueur qui a le plus de rythme depuis le début de saison. Au Qassid, Ben Sayah, c'est les joueurs qui ont le plus de rythme depuis le début de saison. Je me raille des notes pour faire de la rotation, parce qu'il a dit que je suis un joueur était le mince. Et à la fin, on va voir. On va voir le résultat, on va voir. Et un Wally. La fin justifiera les moyens. Et voilà, les conséquences, à la fin, les cas sont assumées. Et les personnes à Guinée. Qui ont fait des choix, les résultats sont jugés chez Nick. On met chez toi la fin jugée. Voilà, quand je lance de la liste des avis de recherche, je lance. Bon, la Chine, ça rajoute net 20, il y a deux catégories. Tout ça, on se deux catégories. La catégorie de l'avis de recherche, on zarablise, mais la divine, mais on zarala, on le voyage, on zarala, on met 20. Parce que l'avis de recherche, on zarala, met 20, il y a. Et le jour où il m'a arrêté de jouer à Gandalf, où est-il? Où est le joueur à Guinée? Où est-il? Il m'a arrêté d'un Daila. Je ne sais pas si je suis grand, mais il m'a arrêté d'un Daila. Parce que le joueur à Guinée, ça fait longtemps qu'on cherche un Daila. Déjà, je suis arrêté le jour où il m'a arrêté de jouer à Gandalf. Quand même, il y a des questions qu'on se pose sur la gestion des joueurs à Guinée, la gestion du milieu de terrain pour faire jouer X et Y. Jusqu'à ce que je me suis dit, c'est la compétence. Le football, c'est la compétence. Celui qui est compétent, il joue. Mais il dit ça, mais il dit le salaire, il a venu stade. C'est la compétence. Mais il est où Nishar, il lève. Mais il est où Nishar, il lève. C'est le mec. Et d'un autre côté, on sera dû toujours Jafar et Mouloud, président du CSA, d'Ivan. On sera dû d'Ivan, c'est tout. Nadir, on lui a lancé un appel. À la situation actuelle du club. À d'un blanc sans langue de bois. À l'heure d'un soualer. Et bien sûr, le cas Ilium Endeth. On connaît Vranza. Endeth joue. Il a sa place de l'équipe. Tous les jours, il sait qu'on connaît Swag. Contrairement à d'autres joueurs que je ne vais pas citer, comme d'habitude. Mais, le terrain que juge, c'est le terrain qui parle. Voilà. Comme c'est dit, on a mis Gatheska, le débrief. En espérant une victoire. De toute façon, rien que la victoire. De n'importe quelle manière, marqué sur fous. Est-ce que Math marqué sur fous, c'est voilà l'arbitre de l'arbitre, pour ma part, les trois points, et ça. Rien d'autre. Ça est tout.